Depuis son arrivée à l'antenne, l'émission s'est-elle installée en termes d'audience? Jamy Gourmaud, si est-il en train de se faire, doucement. On est toujours dans une période particulière, entre confinement et déconfinement. On réunit 250 000 téléspectateurs en moyenne. 17 heures n'est-ce pas un horaire facile? Vous tournez l'émission chez vous, comme vous le faisiez il y a un an pour le module Les Épicurieux, diffusé sur Internet. C'est Jamy, en est-il le prolongement? Les deux programmes ne sont pas conçus de la même façon, le rythme n'est pas le même. À l'origine des Épicurieux, que j'ai posté l'année dernière, il y a ma compagne qui m'avait suggéré de faire une séquence quotidienne qui visait à transmettre un savoir par jour. Là aussi, la mission de C'est Jamy est d'instruire en divertissant. On présente tous les aspects d'un même sujet. Mon envie serait d'être encore plus en phase avec ce qui se passe, d'être davantage dans l'air du temps pour mieux répondre aux questions qu'on se pose. Quel message souhaitez-vous faire passer avec l'émission d'aujourd'hui consacrée au soleil? Sans soleil, il n'y a pas de vie possible. Si y est-il notre étoile? Elle fournit notre lumière et sans lumière, il n'y a pas de végétation. La Terre est pile à la bonne distance du Soleil. Mars est trop loin. Mercure et Vénus sont trop proches. Dans l'émission, on parle aussi des dangers du Soleil, des éruptions solaires. Vendredi, vous abordez les questions du vaccin et les travaux de Pasteur. Comment expliquez-vous que la patrie de Pasteur n'ait pas trouvé de vaccin contre la Covid-19? L'histoire n'est pas terminée, les recherches se poursuivent. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre ceux qui sont encore réticents face à la vaccination. Quand on évalue les bénéfices-risques, on comprend qu'on a tout intérêt à se faire vacciner. Vous revenez du Nicaragua. Pourquoi y êtes-vous allé? Pour tourner des séquences d'un prochain numéro du Monde de Jamy consacré au volcan. Nous sommes allés au sommet du Masaya. Si y est-il un volcan particulier? Il y en a peu dans le monde dont la lave forme un lac. Je suis descendu dans le cratère, ce que je n'avais jamais fait. Est-ce que ce sera le prochain numéro diffusé? Non. En juillet, vous verrez une émission sur les feux de forêt, sur la façon dont ils se propagent et sur les moyens de les contrôler.